Alors, le dernier point de cette introduction, mais enfin, qui nous fait quand même, enfin de cette première partie, mais qui nous fait quand même aborder toute une série de problèmes qui sont encore valables aujourd'hui, hein, c'est la question de l'universalisation et de l'universalité des droits de l'homme. Il y a toute une série de conventions internationales dont quasiment tous les États sont signataires, donc je vais un petit peu montrer ça dans un premier temps. Et puis ensuite, je reviendrai sur une question qu'on a déjà un tout petit peu abordée. Au-delà de cette universalisation, je dirais, géographique, et qui est un constat, de cette diffusion au niveau mondial, qu'est-ce que veut dire l'universalité des droits de l'homme? Est-ce qu'elle est contestable? Est-ce que, voilà, et comment se débat tout l'État? C'est pas ça. Alors, sur le premier point, la protection, ce qu'on appelle aujourd'hui la protection internationale des droits de l'homme. Les prémices, où peut-on voir les prémices de ceci? Je mets à part la doctrine internationale, enfin, des choses très anciennes, qui avait, non, quelqu'un comme Vitoria, par exemple, dont je n'ai finalement pas parlé, qui était ce qu'on appelle c'était l'école de Salamanque, donc c'était des théologiens espagnols, à l'époque les juristes étaient des théologiens, qui a un peu théorisé les droits des individus, et c'est lui qui a soutenu les droits des Indiens, notamment en disant les Indiens sont des hommes, ils ont des droits inhérents, etc. Enfin, laissons tomber Vitoria, parce qu'après, sa parole a été complètement recouverte par d'autres. Et finalement, c'est à l'époque moderne qu'on voit des initiatives de la communauté internationale, et le premier signe, c'est la création de la... Enfin, c'est la Convention de Genève sur la protection des blessés en temps de guerre en 1864. C'est Henri Dunant qui était le fondateur de la Croix-Rouge. Hein, vous savez, quand il a vu ce qui se passait après la bataille de Solferino, il a vu tous ces cadavres et tous ces trucs. Je sais pas, ça aussi. Avant-hier ? Comment ? Ah non, pas avant-hier. Non. Dans Malaisac aussi. Donc, ah oui, excuse-moi, j'avais pas... Bataille de Neuilly, alors. Oh, d'accord, bataille de Solferino, non, alors la vraie, celle de... 19e siècle, 1860. Et donc, qui a créé donc, la Croix-Rouge, et c'est lui qui a insisté pour qu'on mette en place une convention de Genève sur la protection des blessés en temps de guerre, et va comme ça surgir un droit international humanitaire, qui continue à se développer aujourd'hui, hein, mais et qui est très différent. C'est pour éviter, donc on ne veut pas, à défaut de pouvoir proscrire la guerre, hein, on essaye de faire que on va quand même protéger les populations civiles, les blessés, etc., etc. Donc c'est quelque chose de très spécifique. Donc c'est la première apparition, si vous voulez, de ces conventions internationales qui sont faites quand même pour protéger les Deuxième acte, je dirais, c'est dans l'entre-deux-guerres, la Société des Nations, donc l'ancêtre de l'ONU, à qui on confie le devoir de veiller, de contrôler l'application des traités sur les minorités nationales. Et puis, elle va aussi s'occuper, pendant l'entre-deux-guerres, on va commencer à s'occuper des réfugiés. Donc voilà, si vous voulez, les prémices, je dirais, de ce qu'on appelle aujourd'hui la protection internationale des droits de l'homme. Vous voyez toujours des catégories très spécifiques. Et puis, bien sûr, c'est la Déclaration universelle de 1948, qui fait suite à un mandat donné par l'ONU. Et, bien entendu, on ne peut pas dissocier la déclaration de la Seconde Guerre mondiale et les atrocités commises pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est à ce moment-là qu'on éprouve particulièrement le besoin à la fois de rappeler les droits de l'homme fondés, la notion apparaît là, sur la dignité de la personne humaine, et d'autre part, on éprouve le besoin de placer ces droits sous la protection de la communauté internationale, et donc de l'ONU. C'est quelque chose de très important. Ça veut dire que
les droits de l'homme sont une préoccupation collective de la communauté internationale. Et ça peut mettre un peu en cause, mais pas beaucoup, peut-être que je reviendrai, la souveraineté des États. Hein, puisque les États sont souverains, c'est même ce qui fait obstacle, souvent, à la réalisation et à l'effectivité des droits de l'homme. Parce que vous ne pouvez pas toujours aller voir ce qui se passe, même si vous allez voir, évidemment, la Syrie est un cas emblématique, mais il y en a bien d'autres. Hein, il y a même des cas moins tragiques. Hein, je veux dire, les États-Unis continuent à condamner à mort et à exécuter des mômes ou des fous. Bon, je ne parle même pas des gens qui sont pas coupables, c'est contraire au pacte sur les droits civils et politiques. Donc, ça reste un problème. Mais enfin, comme geste, comme c'est important. Et cette déclaration, donc, elle est adoptée par l'Assemblée générale, le 10 décembre 1948. Elle est votée à l'époque par la quasi-totalité des États, c'est quand même avant la décolonisation. Vont s'abstenir 6 États du camp socialiste, comme on dit, l'Afrique du Sud et l'Arabie Saoudite, pour des raisons différentes. Mais l'Arabie Saoudite, c'est parce qu'elle n'est vraiment pas d'accord. Les autres, c'est parce qu'ils estiment justement. C'est normal pour un pays socialiste qui a dit qu'il était enfin, théoriquement l'international. Bon, bref, vous occupez pas de mes affaires. Donc, c'est la souveraineté, voilà, ça fait bon ménage aussi avec le socialisme. Alors, cette déclaration universelle, elle a donc 30 articles et elle proclame l'ensemble des droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels. Et c'est très important parce que elle marque ce qu'on appelle aujourd'hui, parce qu'on appelle un mot, l'indivisibilité des droits de l'homme. Ils sont indivisibles, c'est-à-dire toutes les catégories de droits sont indivisibles et égaux entre eux. Il n'y a pas de priorité pour les droits civils et politiques, mais il n'y a pas non plus de priorité pour les droits économiques et sociaux. C'est-à-dire, on ne peut pas dire, écoutez, tant que les droits économiques et sociaux, parce que c'est ça, hein, le discours, notamment dans les pays socialistes, ex-socialistes et dans la Chine et tout, tant que les droits économiques et sociaux ne sont pas réalisés, eh ben, les droits civils et politiques, on verra après, parce que c'est moins important, parce que on ne peut pas construire les premiers si on n'a pas les seconds. Et de l'autre côté, on peut dire, ce qui est absolument fondamental, ce sont les droits civils et politiques, le droit de ne pas être emprisonné, enfin, c'est vrai d'ailleurs, c'est important, hein, le droit de ne pas être torturé, le droit de ne pas être emprisonné arbitrairement, le droit de penser, le droit de s'exprimer, et c'est tellement important que les autres ne viennent d'après. Donc, indivisibilité égale importance. Alors, je ne vous fais pas la liste de trucs, non, ça vous êtes censé connaître la déclaration universelle, on l'a reproduite je ne sais combien de temps, mais ce qui est amusant, parfois, c'est que quand on la lit, on voit bien les concessions qu'on a dû faire pour arriver à un texte. Alors, déjà, concession entre la façon française de rédiger, toc, 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 sur trois lignes, deux lignes à chaque fois, les droits de l'homme, et la façon anglo-saxonne. Par exemple, toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion, ça c'est la façon française, et puis on ajoute, ce droit implique la liberté de changer de religion ainsi que la liberté de manifester sa religion seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte ou la confession des rites. Ça, c'est la façon anglo-saxonne. Voilà. Donc, ça, c'est amusant. Et puis, de temps en temps, on garantit le droit à la propriété à toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité. Bon, c'est une façon de dire aux pays prétendument socialistes que la conception de la liberté, elle est vaste et qu'elle peut englober, y compris la propriété collective des moyens de production. C'est ça, en fait, que ça veut dire. Voilà. Alors, cette déclaration, formellement, juridiquement, c'est une résolution de l'Assemblée générale. Donc, elle n'a aucune valeur juridique contraignante. D'accord ? C'est pas une convention. Et, donc, dépourvue de caractère obligatoire. En même temps, elle a bien sûr une force morale, elle a valeur de symbole, et tout État qui adhère à l'ONU, et Dieu sait qu'il y en a eu depuis, est censé adhérer à cette déclaration. Donc, le fait qu'en 1948, elle n'ait été adoptée que par les États qui existaient à l'époque,
n'est pas une véritable objection pour dire oui, mais enfin, elle a été adoptée à l'époque. C'est pas vrai. Les États qui adhèrent, qui entrent à l'ONU, adhèrent au sens moral du terme, puisqu'il n'y a pas d'adhésion juridique, adhèrent à cette déclaration. Et on célèbre solennellement, vous le savez bien, 150e, 160e, etc. Alors maintenant, ce n'est pas le cas de la France. Quand vous invoquez la Déclaration universelle dans un recours, on vous dit « Non, non, la Déclaration universelle, elle n'a pas de valeur juridique, il faut invoquer des conventions. » En revanche, il y a des pays qui l'ont incorporée à leur constitution. C'est-à-dire qu'ils la citent dans les textes, enfin, dans les droits valables pour les habitants du pays. Et puis, ensuite, il va y avoir, j'y arrive, elle a été reprise, presque toutes ces dispositions ont été reprises, dans les deux pactes, on dit parfois les pactes jumeaux de 1966, qui, et donc là je passe déjà à l'item suivant, en 66, on va voir pourquoi, mais le problème c'est qu'il y a un pacte relatif aux droits civils et politiques et un pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Et 1966, dans l'esprit de Cassin, ça aurait dû venir tout de suite la convention. Il y avait la déclaration, il y avait la convention, et ensuite éventuellement, il y avait des moyens de protection, c'est-à-dire, ça j'en reparlerai, des structures, des instances pour vérifier que les États respectent bien. Et il a fallu attendre si longtemps, ben, c'est notamment à cause de la guerre froide, hein. 48, c'était le dernier moment où on pouvait encore adopter la déclaration. Vous voyez un petit peu la chronologie. C'est 48, hein, le déclenchement de la guerre froide. Et donc, en 66, on fait deux pactes. Alors, il y a deux explications. Une qui est gentille et l'autre... une qui est logique, machin et tout, technique, et l'autre qui est plus politique. L'explication politique, c'est que ça permet aux États de ne pas ratifier les deux à la fois, ceux qui sont plus sur les droits civils et politiques, ceux qui sont plus sur les droits économiques, sociaux et culturels. L'explication juridique, c'est que, et ça c'est le grand problème, j'aurais pas le temps d'y insister ici, mais c'est quand même le grand problème, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui, c'est un peu le terme, la question de la justiciabilité des droits économiques et sociaux. Par justiciabilité, on entend la possibilité de les revendiquer en justice. C'est-à-dire d'utiliser, ça ce sera le, j'y reviendrai tout à l'heure, dans très peu de temps, d'utiliser les moyens, le moyen du droit et le moyen du juge pour faire respecter ces droits qui sont inscrits sur le papier. Et c'est là qu'on arrive évidemment à un problème. Il est plus facile de garantir le droit à la liberté d'expression que de garantir le droit à des moyens suffisants d'existence, a fortiori le droit au travail. Et par conséquent, quand on lit le pacte sur les droits économiques, sociaux et culturels, c'est pas toute personne à droit. Quelquefois, c'est toute personne à droit. Bon, le droit syndical, ok, mais dès qu'on arrive au droit de créance, qui suppose des moyens, de gager des moyens de la part de l'État, on trouve souvent une petite phrase en fonction des moyens de l'État. On ne peut pas imposer la même chose à la France, aux États-Unis, ou au Sénégal, ou à fortiori, au Mali, ou que sais-je. Voilà. Et donc, c'est vrai que ça se ressent dans la façon dont le second pacte est rédigé par rapport au premier. Et le fait qu'encore aujourd'hui, d'ailleurs, là j'anticipe un peu sur ce que je voulais dire plus tard, vous avez un comité des droits de l'homme que vous pouvez saisir de violations des droits du pacte proclamé par le pacte des droits, sur les droits civils et politiques. Et de l'autre côté, vous avez aussi un comité, mais qui vient d'ailleurs mais pour l'instant, il n'y a pas encore le droit de saisine individuel. Enfin, donc, il y a un problème évident avec les droits économiques et sociaux de ce point de vue.